exercice au débutant. Alors, je regarde ce qu'elle va faire, je vais lui faire quelques roulades. On se fait ça franchement, hein, ouais, là, et au moment où elle regarde, alors, si vous voulez en faire un échauffement basé sur des pas de tactique, pas de chute en arrière, parce que vous êtes forcément, vous avez des bons à être au c'est vous qui les formez. Il faut le savoir. C'est pas une fédération qui forme. La fédération leur donne un produit pratiquement fini. Même si ça sert, tant mieux. Mais c'est comme ça. Alors, vous allez vous mettre deux par deux et vous allez apprendre à couper. Simplement, une fois, on va recommencer tout doucement. Deux, et l'autre bien. Voilà. Alors, on en fait une petite quarantaine chacun. Ça va ? Allez. Les jeunes premiers, ils ont des super genoux, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ont des super genoux. Parce qu'en milieu, au niveau de ces genoux, c'est très important. Et puis, dans le monde, c'est pas bien, c'est un peu bien. Là, c'est tout le temps, je ne comprends pas. Je pense simplement. Allez, on fait trois. On va venir saisir simplement pendant tout. Main gauche, main droite, tout à l'heure. Et Martial va simplement avancer sa main. Main gauche, main droite. Alors là, l'avantage de ça, c'est quoi? Je veux la protéger au niveau de sa vie. Dans la mesure où il protège sa vie, parce que partir en avant, thank you.
n'y a pas de danger. Et au niveau de ceinture blanche, pas question de monter à 2 mètres d'auteur. Parce que là, vous aurez des points. On essaie de faire. Tu descends un peu. Et là, je vais simplement penser à le faire tourner. On va essayer de comprendre. Bien. Ben lui, c'est pas pareil, parce que ceinture blanche, on est grave. C'est un exercice, une salle de planche qui va. Mais ça ne présente aucun danger. Pourquoi? Parce que c'est une planche de planche. On le fait pour deux. Enfin, deux, c'est penché, deux putains. Peut-être que je vais pousser, rentre bien la tête. Voilà. Et je vais pousser, déjà, donner une telle conscience en vrai. Alors, bien sûr, la salle de planche avec deux séances, c'est ça. En séance, on peut le faire. Si c'est. Travaille comme ça. Non, le front, si c'est le ventre, c'est pas ça.
penser à ça, parce que tout est basé après sur la défense. Alors là, il va venir toucher, tout en bas. Revers. Vas-y. Pas en bas. Côté. C'est bien. Alors maintenant, tout en bas, regardez bien. Tout en bas. Je vais toujours travailler avec le vis-à-vis, la main en vis-à-vis. Je ne vais pas commencer à faire des oppositions. Ça, je laisse ça pour les spécialistes, ceux qui font des choses superbes et qui représentent des années de travail. Là, il faut être sage, parce que cette planche veut un résultat très rapide. Mon judo, en faire au gauchi, c'est très facile au gauchi. Trouvez-moi une technique de judo facile, on n'a pas. Donc là, c'est pareil. Et psychologiquement, on arrive à mettre par terre. Psychologiquement, on arrive à faire une parade, on arrive à faire un blocage, mais c'est bon psychologiquement pour la salle. D'accord ? Alors, dans toujours ce même bras, on va travailler le bras sur le côté. Tenez, là. Relève. Deux, bras en haut. Côté. On l'habitue déjà à donner une parade. C'est-à-dire, parade, c'est l'intérêt, bien entendu. On peut faire la ouverte. Vous avez des spécialistes qui peuvent vous dire même. Mais nous, on n'est pas spécialistes, donc il faut mieux faire là. Une question de force. Donc, je vous montre de l'autre côté. Pas trop vite. Un. Deux. Trois. Côté.
travailler ça. C'est pas moi, parce que c'est pas moi. Donc ça, c'est important. Toujours prêt. On va travailler là-dedans. On a fait quoi, un outil, un mat local, un bœuf. On peut également maintenant amener à faire le bœuf. Là, on va faire le bœuf. Je donne le même style. Là, je montre une base. Je n'ai pas du tout à faire. Ça, vous pouvez essayer. Il y a un fil conducteur pour faire travailler et que ce soit les que ce soit là pour tout le monde. Le conseiller se reconnaît. Mais on est souvent, je dirais, coupable. Donc on ne prend pas toujours que l'élève ne répercute pas bien. Je ne mets pas souvent son mot. Je suis pas bien faire l'élève. Oui, il faut aussi t'en repenser. Même si on dépend vraiment des très bons. Le jour où j'ai visionné un livre, j'étais dessus, j'ai regardé, en fait, le style. Donc j'étais en train de faire un mouvement que je savais pas faire. Donc de temps en temps, il faut que je connaisse un petit pas à propos de ce que je fais. Donc on va faire un mouvement tout le temps. Voilà. Et là, on va voir ça. Regardez ce qui se passe. Je viens de vous. Pas peur.
Et ensuite, exactement la même chose.